Le 31 décembre 1999, Alain Gillot-Pétré a rendu son dernier souffle à l'âge de 49 ans après un long combat contre le cancer. Véritable vedette du petit écran, il avait séduit les téléspectateurs en présentant les bulletins de météo pendant 18 ans sur TF1 puis sur France 2. Le journaliste, qui aurait fêté ses 73 ans ce vendredi 16 juin, était également un grand passionné de cyclones. À tel point qu'il avait écrit dans son testament une requête particulièrement étonnante. Le présentateur météo avait en effet demandé la dispersion de ses cendres lors du prochain ouragan de force 5 en Guadeloupe, une île à laquelle il était particulièrement attaché. Seul problème, sa veuve, Marie-Claude, n'a toujours pas pu exaucer la dernière volonté de son ex-compagnon. Et pour cause, aucun cyclone d'une telle ampleur n'a été observé dans cette région d'outre-mer depuis le décès d'Alain Gillot-Pétré. Une situation fâcheuse que Marie-Claude avait évoquée lors d'une interview accordée à France Dimanche, en 2015. L'urne est toujours là-bas, chez un ami. Alain a placé la barre un peu haut, avait-elle regretté. Même si un ouragan de force 5 traversait la Guadeloupe, l'opération serait difficilement réalisable tant elle est risquée. Alain Gillot-Pétré, retour sur son amour pour la Guadeloupe. Et pour les cyclones au cours de cette interview, Marie-Claude était revenue plus globalement sur la passion de son ex-mari pour les cyclones, mais aussi sur son attachement à la Guadeloupe. Il adorait la Guadeloupe, où il rêvait de prendre sa retraite. Il disait, « Je suis un aigre blanc », avait-elle souligné, avant de révéler que le présentateur météo n'hésitait pas à prendre des risques pour filmer ses chers cyclones. Pour observer ces phénomènes naturels, Alain Gillot-Pétré s'était notamment attaché à un arbre avec une chaîne pour ne pas s'envoler lors d'un ouragan. Une autre fois, il avait embarqué à bord d'un avion militaire américain pour atteindre l'œil d'un cyclone, comme l'avait révélé Marie-Claude. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Michel Croisard via Bestimage.